Salut les amis. Comme vous le savez, ici au Manitoba, nous sommes au beau milieu d'une campagne électorale. La date pour voter, c'est le 3 octobre. Ça s'en vient vite. Et les signes d'une telle campagne sont partout. Il y a les petites enseignes sur les gazons, les grands panneaux le long des routes. On voit les représentants des différents partis politiques aller de porte en porte. On voit les débats à la télévision, les articles dans les journaux, la conversation lorsqu'on se rencontre avec des amis, connaissances au café. Alors, oui, on est vraiment dans un monde avec beaucoup de paroles, beaucoup d'énergie, beaucoup qui se débat. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de cela. Certainement pas de tel ou tel parti ou de tel ou tel chef possible, ni des politiques, ni de faire une analyse sociale. Non, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est parler de qu'est-ce que c'est d'être chrétien, qu'est-ce que c'est d'être catholique pour être bon citoyen. Parce que bon citoyen veut dire que on regarde le monde politique et tout ce qui s'en sort, programme, dépenses, initiatives, priorités, de la perspective du bien commun. C'est sûr, il y a des intérêts privés et il y a des intérêts partisans. Mais vraiment, comme chrétien, notre mesure d'abord doit être, est-ce que ça fait avancer le bien commun dans l'enseignement justice sociale, l'enseignement de comment vivre ensemble, tous en communauté, ce principe-là du bien commun est très, très important. Maintenant, alors, et quand je dis le bien commun, je veux dire, oui, le bien de tous, et peut-être avec une attention spéciale, particulière, aux vulnérables, aux pauvres qui sont dans des difficultés, à des gens qui auraient besoin d'assistance, à ceux où c'est difficile dans la vie. Eh bien, l'amour du Christ nous pousse à faire sûr qu'ils ne sont jamais les oubliés, les mis à part dans comment on vit ensemble en société. C'est sûr, mais comment est-ce qu'on approche toute la question du bien commun? Il y a tellement de sujets, de thèmes, de besoins. Eh bien, moi je pense qu'une manière, c'est chacun, bon, d'identifier un ou deux domaines qui nous préoccupent surtout. On prend soin des parents qui vieillissent de plus en plus, ils ont plus en plus de besoins de services de santé. Alors toute la question de services de santé en notre province. Ou peut-être c'est le domaine de l'habitation qui a prix abordable. On a un fils, une fille, ils commencent leur vie et ils trouvent ça difficile de trouver une place qui les permet de prendre leur vie indépendante et, tu sais, autonome. Alors, d'identifier un ou deux sujets qui nous touchent personnellement, mais auxquels on apporte le regard d'abord du bien commun pour tous dans ce domaine-là. Santé, éducation, services sociaux,
promotion de l'économie, une économie juste, alors cela. Et disons, alors je crois que le plus important, c'est de s'informer sur ces sujets-là qui nous prennent au cœur le plus. Et parce que c'est bien facile possible d'approcher tout ça avec, on discerne, juge, vote plutôt sur des impressions ou même des émotions, où on juge et on vote contre quelqu'un, contre un individu, contre un parti, contre telle partie de la société. Et vraiment, comme chrétien axé sur le bien commun, on doit refuser cela. Le négatif, le choix non réfléchi, il faut vraiment prendre le temps de s'informer. On parlait des gens que, lors d'une visite paroissiale, ils parlaient des représentants des divers partis qui étaient venus frapper à leur porte. Et je leur ai dit, mais quel bon moment, identifiant qu'est-ce qui est le plus important pour vous, pour le bien commun, et de demander, et on s'est informé auparavant, et bien d'avoir la discussion, qu'est-ce que votre parti propose, quelles en seraient les conséquences, les fruits, qu'est-ce que ça coûterait, de vraiment demander de l'information qui vous aide alors à discerner, à choisir pour qui vous allez voter. Et si la personne commence, oh, c'est la faute des autres là, ou c'est vire sur un ton négatif, de l'arrêter et de dire non, je choisis de ne pas m'engager sur ce terrain de la négativité. Parlez-moi selon mes soucis, mes intérêts. Qu'est-ce que vous proposez de faire? Et ça, je pense, alors, on est plus en mesure de prendre notre propre responsabilité comme citoyen. Et je reviens un peu à ce que j'ai parlé là, du choix de ne pas entrer dans le terrain de la négativité, de la division, de blâmer les autres pour tout. C'est si facile. Et dans notre société nord-américaine, il me semble qu'il y a quasiment une croissance de cette négativité. Tu sais, les attack ads, les pensées, suggestions sur le caractère de telle personne ou tel leader. Vraiment, de prendre le choix, la décision morale, la décision chrétienne, de ne pas contribuer, s'engager dans cette manière-là de voir la politique. Parce que ce qui est division, cynisme, manque de profondeur, c'est vraiment voir le monde noir et blanc, ça n'aide pas le bien commun, ça n'aide pas la société dans son ensemble. Alors, ce sont des pensées que je vous propose, qui me trotte dans la tête alors que l'élection s'en vient. Qu'on fasse notre part, qu'on aille voter, qu'on soit bon citoyen pour être bon chrétien, et qu'on prend ça au sérieux, et encore
je crois, selon nos soucis, mais vu dans la perspective du bien commun. Merci.